Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous nous retrouverons pour une vidéo sur PS4, sur la map Micha, et nous allons faire un peu de lisier. Avec, pour cela nous avons le Massey 8732, je crois qu'il fait 350 chevaux à peu près, et là, tonalisier d'Angreville sur Iwan de Simulagri Modding. Merci à Bruno et à Kevin. Si vous voyez, ça m'étonne, mais si vous regardez cette vidéo. Voilà, c'est parti. Si vous regardez cette vidéo, bien le bonjour et merci. Vous remerciez les modeurs et tout. C'est grâce à eux qu'on a un jeu complet. Moi j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. La texture de près elle est pas terrible, hein. Donc on va se mettre comme ça, on voit un peu mieux. Ouais, j'ai un gros trou. Bon, c'est vrai, on le fera après, quoi. Donc j'ai avancé un peu sur la map. Bon, pas comme je voulais parce qu'il y a d'autres maps qui est sorti. Mais bon, ça je vous en parlerai après. Comme ça on voit bien la texture, mais de l'autre côté on voit pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc là j'ai moissonné, j'ai fait la suite de la moisson. J'ai encore de l'orge, du blé. Et tout ce qui est avoine à faire, c'est les champs que j'avais ressemés. Bon, après on ira faire le trou là-bas. Puis il y a eu quelques changements de tracteur à la ferme. Je vous montrerai qu'on ira refaire le plat, c'est-à-dire bientôt. Aujourd'hui on est je vous tourne la vidéo, on est dimanche, c'est le premier jour d'été. Bon, le temps il n'a pas l'air d'être terrible terrible, mais bon, pour cette semaine ils annoncent du beau temps, j'ai entendu ça. Voilà, on est vide, on va aller à la ferme refaire un plat. Ah oui, c'est un peu pas très réel, mais bon voilà, on dirait que je l'achète directement au silo, comme j'ai pas de lisier, j'ai pas d'animaux, donc pas de lisier. Ah oui, je voulais aussi m'excuser pour la voix que j'ai, la vidéo que vous aurez dimanche. Elle est en train d'uploader là. Mais je l'ai tourné le soir 23h, 23h30. Et donc, c'est de la voix, elle est fatiguée, bien sûr. Et puis en plus moi avec mes allergies au pollen et tout, c'est pas évident. Donc voilà. Donc je tiens à m'excuser pour eux. Bon, sinon j'avance pas comme j'aurais voulu, je vais vous expliquer ça après au cours de la vidéo. Bon, c'est pas grave grave, attention, il n'y a rien qui me presse moi. Voilà. Cette vidéo là, je pense que vous l'aurez mercredi. Oui, je sais, le tracteur veut fort, mais j'étais obligé, désolé aussi. On va s'arrêter ici, c'est mieux. Il y a eu quelques changements à la ferme. Pas des gros changements, hein. Attention. C'est pas des changements. Le tracteur se salit, je n'ai pas d'habitude tout. Enfin, la journée, je nettoie les tracteurs, mais là, je ne l'ai pas fait. Allez savoir pourquoi. Je le prends là, c'est pas très réel, mais j'ai pas d'animaux. Donc je vais vous montrer les changements.
Bah, c'est du surlement de matériel. Donc voilà, là, j'ai acheté un petit. Pour remplacer le John Deere à deux roues motrices, j'ai pris celui-là, un petit 110, 6110M. Alors, ça, c'est cool qu'on ait celui-là maintenant. Ça, c'est vraiment cool. Puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Et on a repris à 4440, je crois. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Je ne sais plus combien de chevaux, je vais vous dire ça tout de suite. 4440, c'est 246 chevaux. Et le petit 110M, il fait 116 chevaux. Voilà quoi. Mais sinon on a tout le temps les mêmes tracteurs. Il y en a un avec là que j'ai pas rangé, j'aurais dû le ranger. Avec là le bol mélangeur. Moi, j'ai fait un peu de ration mélangée que j'ai mis dans le silo, dans le grand silo. Hop, oh, c'est pas très réel mais tant pis, ça va plus vite. Allez, c'est reparti. Puis mes cultures elles vont pousser donc on ira faire ça. Bah, bon, peut-être pas ensemble comme je vous aurais déjà eu une vidéo de moisson. Donc bon, ça on attendra après. Bon voilà. J'ai pas avancé parce qu'il y a une map qui est sortie qui s'appelle Last Happen Bar. Qui est une très belle map. Bon, une très belle map. Sur PC, c'est pour moi c'est une des plus complètes sur FS19. Mais sur console, pendant un moment, vous voyez, à part les graphismes et tout, vous voyez pas sur les sur les cartes du modem, on voyait pas du la différence entre, pas enfin, si, un peu quand même, mais pas flagrant là. Mais c'est entre la carte PC et la carte PlayStation, enfin console, oh, c'est le jour et la nuit. Puis, franchement, il y a toutes les fonctionnalités quasiment. Bon, il manque des choses, c'est sûr, mais franchement, sur PC, bon, c'est. Franchement, c'est. Là, on dit que. Je ne critique pas, hein, ils en peuvent rien. Mais. Ouais, sur console, on est trop limité, quoi. Très, trop limité. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais. Faut voir la différence, hein. Déjà les emplacements, t'arrives, je crois que t'as déjà 800 emplacements pris. Ouais, c'est. Bon, on va passer là pour aller faire le truc que j'ai manqué tout à l'heure. Désolé, j'ai pas de GPS sur. J'ai pas de GPS sur le PC. Bon, on va se mettre de haut comme ça pour voir les textures. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Oh, goulot, quoi. Bah, c'est une. Même sur console, c'est une belle carte, on va dire. Bah, un peu grande pour moi, quoi, pour sur console. Bah, même si. Mais. Là, on peut dire que. Voilà. C'est. Franchement, j'avais eu certaines cartes qui sont sur les sites de mode. Ouais, il y a une différence. Mais là, du modob autant, c'est. Ça fait peur quand même. Bon, bref. Je ne continuerai pas la polémique là-dessus, sinon je vais donner raison à quelqu'un que je voudrais pas, quoi. Et puis voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah oui. Et toi, la personne dont que je pense. Et oui, il hein, faut pas promettre des choses et puis pas les faire. Hein. Ah oui, hein. Tu te fais rattraper, j'ai vu ça. Ah oui. Promets certains cadeaux que les gens n'ont jamais ou que c'est tout le temps la même personne qui gagne. Non, mais, hé. Hey. Faut arrêter de prendre des gens pour des cons, non? Je le savais depuis le début, ça, mais bon. Enfin, bref. Voulez-vous, il y a des gens qui sont comme ça, c'est tout. Bon, ah, comme d'habitude, un petit bonjour aujourd'hui des groupes, aux amis du Didi.
Ah, sinon ça va, ça va, ça va. Bon, on va se mettre comme ça, je suis désolé, mais comme on voit pas bien la texture, je préfère. Bon, on va encore faire une ou deux citernes. Bon, après nous, je pense qu'on fera de l'ensilage. Par contre, je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo. Je sais pas du tout parce que là cette semaine moi bon j'ai des choses à faire aussi quoi. J'ai le boulot. Et mais je sais pas si vous l'aurez pour dimanche, ça dépend. Il y aura des moments où vous aurez des vidéos comme ça, c'est régulière, mais il y a des moments où ça sera plus dur. Parce qu'il faut pas il faut vous imaginer que faire une vidéo. Il y a un temps, bon là elle est déjà prête, mais avant de commencer cette map là, j'ai passé peut-être rien que faire la ferme, environ 3 heures à faire la map, mettre le matériel. Puis bon, tu prends un matériel, le lendemain t'as un nouveau mode qui sort intéressant. Bah voilà, faut changer certains trucs. Comme t'es limité en emplacement, il faut magouiller pour que tu arrives à remettre, à revendre un truc que tu vas peut-être pas utiliser ou que tu vas utiliser. Ça c'est. C'est une équation à faire quoi. Voilà. Enfin une équation. Un calcul à faire plutôt. Donc voilà quoi. Ah vous j'aime bien cette citerne Olivier là. Mais bon pour Stoppenbar, bon c'est des Allemands, mais je voudrais remercier quand même qu'ils l'ont fait sur console. Ils étaient pas obligés, hein. Voilà. Donc merci quand même, hein. C'est bien, c'est sympa. Peut-être faire quelques vidéos tranquilles dessus, peut-être on verra bien. On verra bien. Quand je vois des certains commentaires, oui, mais on peut pas placer de bâtiment. Si on peut remplacer, il faut simplement déforester. Il y a un moment, faut déforester, détruire les ruines. Il y a des ruines, faut les enlever. Et là, on peut placer les bâtiments. Eh oui. Bon, mais bon. Je vous ferai pas. Bon, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais télécharger OBS, prendre la version payante, comme ça je pourrais vous faire des vidéos sur PC. Et là, sur la Stoppenbar, si on n'a rien d'autre, d'ici là, ou bah, même sur la off, Bergman, je vous ferai des vidéos. Là, vous verrez ce que c'est qu'une map, ceux qui sont habitués à la console, vous verrez ce que c'est qu'une map PC, une vraie map. On va refaire une citerne ensemble et puis on se laissera pour la vidéo. Là maintenant je m'arrête parce que l'autre fois j'ai quand même été pris à mon propre jeu, arrivé comme un bourrin à l'eau. Je me suis pris une voiture. Bah bien sûr la voiture n'a pas bougé, moi j'ai dégagé. J'ai dû réinitialiser le tracteur, tellement que j'étais coincé. Désolé si vous entendez des gens parler, c'est. On est dimanche, c'est des coureurs à vélo, puis comme il fait pas froid, j'ai. Et c'est ouvert la fenêtre de la salle où je vous enregistre ça. C'est-à-dire, bah, ma chambre, lol. Notre chambre, quoi, je veux dire. Hop. Ah, je suis pas bien mis, bien sûr, bah oui. On regarde pas ce que l'on fait, voilà ce qui arrive. Voilà, c'est parti. Alors ça va me coûter combien d'en prendre là? On va voir ça. Oh, ça vaut 726 euros. Bon, c'est 726 euros, mais je m'y attendais plus.
C'est quand on prend des semences ou de l'engrais. Oh, ça fait. Excusez-moi de l'expression, mais ça fait mal au derrière, on va dire. Bon, ça va, je suis pas dans le besoin. Oui, je sais, je suis, mais c'est comme ça. Oh, le tracteur, il se libère. Ah, ça c'est chiant, je trouve. Ah, sur le Steppenberg, ben, ils sont en plein milieu de la route, les gens. Ouais, là, bon, comme je dis, je fais attention, parce que je suis en vidéo, mais sinon, je fonce dans le tour. C'est bon, quoi. Je crois que le village est trop peuplé, ils auront de la perte. Non, je rigole là. Je n'allais pas prendre ça sérieusement. C'est mes conneries que je dis. C'est con qu'on n'ait pas de GPS, parce que ça m'aurait pas arrivé de faire des trous comme ça. Des écarts comme ça. Hop. Par contre, je voudrais essayer si d'en mettre sur. Bah, je vais essayer ça, tiens. Si je peux rentrer dans le champ d'herbe. Dans le champ. Ouais, d'herbe. Dans la parcelle d'herbe. Je vais essayer un truc. Oh non, je pourrais pas. Oh merde. Oh, c'est con. Bah, à la fin de la vidéo, je regarderai un peu pour moi et juste essayer un truc. Bon, alors là, j'en suis où? Je sais même pas. Avec. Ah oui, j'en suis là. Non, c'est les barrières. Bon. Là plutôt, on va dire, on va recommencer l'autre. Bon, après, hors vidéo, je rectifierai, ça va. Bon, j'aurais pu prendre. C'est vrai que j'aurais pu prendre celui avec le. Comme j'avais pris au début, avec l'Amazon, le déchaumeur Amazon, bah, j'aurais pu quoi. J'aurais même dû, ça aurait été mieux, mais bon. Voilà. On va le reprendre s'il faut, c'est pas. C'est pas la gravissime. Donc voilà, bah, je vois que ça marche à peu près, quoi. Merci à mes 3 abonnés. Enfin, du moins, jusqu'hier, j'avais que 3 abonnés. Bah, merci. Normal. Puis bonjour à mes groupes PS4, à Roland, à Serge. Puis aux tous les autres, je ne cite pas tout le monde, mais bon, au groupe, quoi. Hop, on va recommencer au bout, ça sert à rien de recommencer comme ça. Oui, pendant un moment, franchement, quand j'ai plus fait de vidéo, là, pendant un moment, j'avais plus la motivation. Je jouais corps, hein, c'est pas la motivation de jouer, je jouais corps, hein, c'est sûr. Mais plus de faire de vidéo parce que. Bah, déjà, pas une carte qui me plaît trop, déjà. Même, pourtant, j'adore cette carte-là, de Valley of the All Farm. Pas déçu, mais bon, voilà quoi. C'est. Mais c'est ça le problème. C'est des mobs, je veux dire, réchauffés. Alors, pour les textures du 17 ou du 19, mais qui ne vont pas trop sur le 17. Alors, ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, voilà quoi. Il n'y a plus plein de problèmes comme ça. Bon, je vais faire un essai. On va voir si je peux passer l'eau. Bah, je vais le faire avec vous, l'essai. Je me suis tout le temps posé la question. Je suis à combien de pourcents? 50? Si ça marcherait.
Oh bah ça a l'air, non? Oh quoique je ne sais pas. Ah non. Ah c'est gros ça. Donc on peut pas mettre de lisier sur les prairies. Bah je crois que ça se fait en vrai. Maintenant je pourrais pas vous dire si je suis pas dans le métier bien sûr, mais je crois que ça se fait en vrai. Bon bah voilà quoi. Si vous pouvez me répondre par commentaire, ce sera un renseignement de prix, disons. On va dire de la culture, un peu de culture quoi. Bon bah nous allons nous laisser là. Comme on dit chez nous, ben, à tantôt, bise.